Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de chasse en Bourgogne. Nous sommes le 18 novembre et la première traque démarre sous une pluie battante. Nous pouvons uniquement tirer les sangliers lors de cette première traque, et après environ une heure au poste, j'aperçois du mouvement dans les fougères. N'oubliez pas d'ajouter un petit j'aime si la vidéo vous plaît. Les cervidés repèrent mon voisin et repartent en traque. Aucun sanglier ne viendra de mon côté, et ce sera également le cas lors de la seconde traque, malgré un poste avec une grande visibilité. La troisième traque en revanche va être inoubliable. J'occupe le poste numéro 8, un mirador en milieu de battu, dos à une plaine, mais dans une configuration de forêt qui me semble favorable. J'ai le droit de tirer à 360 degrés, et au bout de seulement quelques minutes, j'entends craquer devant moi. La scène est vraiment splendide avec cette petite horde qui se présente au pas. Les animaux ne m'ont pas vu, pas senti, mais avancent tout de même prudemment. Nous avons le droit de tirer un fond, et je saisis donc cette opportunité en or qui se présente à moi. Je suis sûr de m'en tirer sur ce fond, et essaye donc de tirer le cerf en fin de horde, sans succès. Le fond quant à lui, tombera quelques mètres plus loin. J'avais placé ce jour-là une caméra au sol qui donne ce point de vue génial. On voit d'ailleurs l'impact de la balle sur le fond et le ricochet malgré un tir plus que fichant. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cela montre que mon travail vous plaît et m'encourage à vous proposer de nouvelles vidéos. La traque continue et je ne peux désormais tirer qu'un cerf de maximum 14 corps. La harde fait face au rabatteur, qui arrive à les renvoyer vers moi. Le cerf est assez proche de la biche, mais je me sens à l'aise pour tirer. Je prends ma chance, mais l'animal ne semble pas réagir. Je ne suis plus sûr de rien, mais là encore, la caméra au sol a pu filmer une scène splendide. Il saute un peu plus loin que toi. Après la caméra ? Ouais, après la caméra. Les rabatteurs arrivent à ma hauteur et les recherches commencent. Ouais, à peu près par là, ouais. Et il va de ta droite à ta gauche, direction à gauche.
Y a du sang, quelque chose ? Ça va ? Ouais, exactement là. Y'a du sang ? Je sais pas. Non, il passe à la course. Ouais. Il est pas loin d'une biche, je tire. Il accuse pas, mais je pense pas être bien loin si jamais je l'ai raté. Ouais. Tu vois rien? Tu le sens? Non, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'indice. Je progresse doucement, faut le tenir. Parce qu'écoute, il reste bien dans la harne. Ouais. Quand je le passe, il est pas loin d'une biche, il s'écarte un peu. Là, j'ai du poil. Un poil. Voir, hein. Mais bon, un poil. Et si tu veux, je le tiens. C'est là quand même, regarde le train. Ouais, mais de toute façon, ça monte. Il réagit pas, tu sais, il marque pas vraiment bien, mais j'ai l'impression qu'il compacte quand même. C'est vrai, ouais. Et ouais, il passe tout cela, et je pense qu'après, il redescend vers la gauche. De toute façon, c'est assez clair, on doit peut-être le voir. Le temps que j'aide les rabatteurs à sortir le fan, l'un d'eux trouve du sang sur la piste du cerf. Nous prenons le temps de faire une petite photo avec le fan, et la traque reprend. Ouais, il vient de se passer quelque chose de phénoménal. J'avais une chance pas possible, je tire un fan. Vous avez vu la scène, c'était vraiment plus qu'idéal. C'était les conditions vraiment parfaites. Ils sont venus tout doucement, je tire le fan arrêté. Il est à moins de 10 mètres, donc vraiment... condition royale pour tirer un cerf vidé, j'étais très très content. Et 10 minutes, un quart d'heure après, les rabatteurs annoncent d'autres cerfs vidés. Là, je vois un cerf qui est au milieu de la rade, il est assez près d'une biche, il se décale un peu. Je le tire, et là, à l'heure où je vous parle, on a trouvé du sang, le cerf est blessé. J'espère vraiment, vraiment, vraiment qu'on le retrouve, parce que c'est la première fois que je blesse un cerf. Et c'est pas une sensation très, 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 très sympa, j'espère vraiment qu'on le retrouve. Mais les scènes, elles étaient vraiment. Les deux scènes étaient vraiment splendides. Donc je suis très content, mais je le serai encore plus quand j'aurai pu retrouver ce super cerf. Je vous tiens au courant. Pendant ce temps-là, le cerf sort à la ligne de postée, qui ayant entendu le cerf sonner mort, on pensait que le plan de chasse de cerf était fini. Finalement, après un super travail du garde-chasse et de ses chiens, le cerf sera achevé. C'est le troisième de ma vie en battue, et c'est toujours un grand privilège que d'être aux côtés de ce magnifique animal. Encore une journée fantastique dans cette saison, qui est partie pour être inoubliable. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour plus de contenu, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. À bientôt !